Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier où on va parler de la société IPI et on va surtout parler du Big Data qui redonne du pouvoir aux particuliers dans la gestion de leur habitat. Pour ce faire, deux invités avec moi, Pierre Leroy, donc de la société IPI. Bonjour à tous. Et Fabrice Coupry qui sera notre expert témoin sur ce plateau d'Abalone Group. On va commencer avec une petite présentation de mes deux intervenants. Fabrice, vous travaillez pour Abalone Group en tant que DSI du groupe international. En une phrase, que fait Abalone ? Bonjour à tous d'abord. Abalone, ressources humaines, principalement nos intérimaires au niveau international. Nous avons une agence aujourd'hui en Belgique et principalement des agences intérimaires aussi, CDD, CDI, sur la région nantaise et toute la France maintenant. En plus d'être DSI, donc directeur des systèmes d'information pour Abalone International, vous êtes également Data Privacy Officer. Qu'est-ce que c'est qu'un Data Privacy Officer ? Alors en fait, c'est comme le CIL, donc le conseiller informatique et liberté, mais pour demain, pour le règlement européen, qui sera en application et surtout les amendes très sévères qui sont prévues pour le non-respect des données à caractère personnel, à compter du 26 mai matin. Vous risquez, si vous n'avez pas fait vos déclarations et si vous n'avez pas de CIL, les déclarations c'est quoi ? C'est l'utilisation de vos données. Et donc, c'est à nous de déclarer et d'essayer de faire respecter les données à caractère personnel. On va en revenir un petit peu dans le détail dans quelques instants. Pierre, en un mot pour introduire IPI, juste en un mot. IPI, c'est en un mot ? Oui, en un mot, parce qu'après, on va reparler de l'histoire. Sacré exercice. Start-up nantaise, et on se positionne comme le premier passeport digital ou carnet de santé numérique de la maison individuelle et de l'habitat bientôt demain. Alors, le Big Data, c'est le titre de notre atelier. Je trouve que quand même, c'est pas mal un buzzword. Il y a pas mal de fantasmes autour du Big Data. J'aimerais qu'on pose une petite définition rapidement avec Fabrice. Le Big Data, c'est quoi ? Le Big Data, on va dire pour résumer, c'est l'ensemble de vos données dans vos entreprises, l'ensemble des données qui sont collectées sur Internet, l'ensemble des données qui peuvent être collectées ne serait-ce que sur des journaux. C'est regroupé dans des serveurs. Et on parle on parle de problématiques. On parle de volume, de vitesse et de variété. Donc on dit 3V, on peut en mettre 5 aussi, avec valeur et véracité. Le Big Data, en fait, c'est des serveurs avec toutes les données, pour résumer, qu'on va pouvoir récupérer ou adapter et mettre en visualisation, en mettre en œuvre. En fait, aujourd'hui, c'est ça un peu le problème, c'est que personne ne sait vraiment les mettre en forme, à part éventuellement les marketeurs aujourd'hui. Pas que ça, pas que les marketeurs. Je travaillais pour l'État auparavant. Et l'État arrive très bien à récupérer vos données. L'État encore aujourd'hui, enfin, du moins depuis le 1er novembre, on parle du fichier unique. Le fichier unique, c'est du big data. C'est pour avoir toutes vos données, surtout. Et qu'est-ce que vous en faites ? Merci pour cette introduction sur le Big Data. Problématique quand même de droits qui vont débarquer. Si on parle de Big Data aujourd'hui, on est obligé d'en parler parce qu'il y a eu des grosses modifications au niveau européen, des modifications qui arrivent à échéance. Vous en parliez il y a quelques instants. Dans les prochaines semaines, il va falloir faire plein de choses. Il va y avoir plein d'amendes qui vont tomber. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots sur ces problématiques de droits par rapport aux données ? Alors, plein d'amendes, faut espérer que non, ou au moins pour les entreprises qui sont installées en dehors de l'Europe. Le règlement européen est sorti, il est à mettre en application et les amendes pourront commencer dès le 26 mai 2018. En fait, c'est quoi ? C'est sous couvert de la donnée personnelle, faire du marketing. Et pour éviter que Google ou Microsoft fassent du marketing à la place des Européens, l'Europe a sorti un règlement très sévère
Aujourd'hui, la CNIL peut demander des amendes qui vont au maximum jusqu'à 300 000 euros. Dernièrement, Boulanger a eu une amende de 50 000 euros. Donc, c'est rien du tout. Donc, depuis la loi de 89 en France, les données personnelles, on s'en fout un petit peu. Clairement. Demain, avec le règlement européen, la première amende, c'est 10 millions d'euros. Sauf si vous gagnez bien plus, ça peut aller à 2% de votre chiffre d'affaires mondial, voire selon l'infraction, par exemple, utiliser le numéro de sécurité sociale en France pour une clé primaire, c'est-à-dire s'en servir pour faire du tri, c'est passible de 4% de votre chiffre d'affaires. Donc, effectivement, les premières amendes vont calmer le reste de la planète pour que notre commerce reste en Europe. Alors, si on fait cette introduction sur la donnée personnelle, c'est que, bien sûr, dans le cadre des données sur l'habitat, forcément, on a plein de données personnelles et en gros, ce que fait IPI, c'est pas ce que font les GAFA. Alors, Pierre, tu disais même les GAFAM parce qu'il faut surtout pas oublier nos amis chinois dans l'histoire. On va passer à IPI et on va raconter un petit peu l'histoire parce que c'est l'histoire qui est quand même aussi intéressante. IPI, société créée en 2007, vous êtes trois fondateurs, tu es l'un de ces trois fondateurs, plutôt dédié au market et au développement. Tout de suite, en 2007, un ADN digital. Comment et pourquoi vous avez créé au tout départ en 2007 IPI ? Alors, l'idée originelle et fondatrice, c'est Yann, donc Persson, qui est... celui qui incarne la partie innovation service chez nous, qu'il a eu en se disant il a une double caractéristique, c'est qu'il faisait du conseil chez les grands énergéticiens et de l'autre côté il est fils d'artisan. Et il se rendait compte quand même le week-end qu'il y avait quelques écarts entre la vision finalement d'EDF, de Engie, sur la notion de massification de la rénovation des logements en France et la réalité de son cher père artisan qui éprouvait quelques difficultés dans l'organisation. Et donc, il s'est dit, tiens, 2006-2007, je suis sûr qu'il y a une place pour finalement créer un compagnon de la rénovation, donc une plateforme digitale, pour faciliter toutes les démarches qu'un particulier peut rencontrer ou doit réaliser quand il fait des travaux. Je ne sais pas si des gens ont fait des travaux ici dans cette salle. Il y en a ou pas ? Oui, à peu près tout le monde. Ça s'est bien passé ? Oui, il y en a qui rigolent. Donc, c'est pas le truc le plus simple et l'atelier d'avant le montrait bien, c'est qu'effectivement on est sur une problématique de professionnalisation de la filière par rapport, non pas par rapport à leur expertise, mais par rapport à la compréhension des besoins clients et on va dire la partie digitalisation. Et dès 2007, on a vu qu'il y avait un espace là pour créer un compagnon digital et indépendant du particulier entre des Bleu Ciel ou des Dolce Vita, si vous les connaissez. Du coup, vous avez commencé par créer du coup une plateforme B2C, plutôt de type cloud Habitat, puis vous avez fait une super analyse avec BCG. Et puis, vous êtes rendu compte qu'il fallait faire un premier pivot, c'est ça ? Vous avez fait trois pivots, hein, on va lever le suspense, trois pivots en 10 ans. Premier pivot en 2009. Exactement. Donc, la première démarche, alors on n'avait pas les moyens de se payer les honoraires de Boston Consulting Group, mais l'idée, en fait, effectivement, avec cette première plateforme, c'était de se dire, bah, OK, c'est bien, on a un super cloud de l'habitat, on a un super bilan Action Énergie qui nous permet de bien comprendre les besoins du client, moyennant 250 questions à lui poser. Sauf qu'on s'est rapidement rendu compte qu'on n'avait pas le flux qui arrivait sur la plateforme, pas les artisans pour faire les travaux. Et accessoirement, que notre bilan Action Énergie, qui était super sur le papier, le client, il n'avait juste pas le temps de répondre à 250 questions et il n'avait surtout pas envie de les payer. Donc, c'est un peu compliqué dans ce contexte de survivre. Et donc, on a fait un premier pivot en se disant, OK, si on ne peut pas exister tout seul, on va mettre à disposition finalement notre savoir-faire et notre plateforme au service de grandes entreprises qui ont pignon sur rue, qu'ils soient énergéticiens, qu'ils soient professionnels du bâtiment et notamment les négoces de matériaux,
pour utiliser ce dispositif et créer des clubs des artisans de la rénovation énergétique ou des plateformes de solutions autour de la rénovation énergétique pour leurs clients. Du coup, en 2009, vous passez du B2C plutôt au B2B en devenant éditeur et opérateur. Et en 2014, vous décidez de revenir à vos premiers amours. Exactement. Donc ce pivot-là nous a permis de faire 10 000% de croissance en 5 ans, un gros décollage, 12 000 artisans référencés dans notre dispositif, mais avec le goût de la proposition de valeur pas vraiment achevée, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes en B2B, B2C et en marque blanche, en clair, c'est toujours le distributeur de vos solutions qui a véritablement le lien avec le client et qui le fait comme il l'entend, ce qui est logique puisque c'est lui qui est légitime. Et nous, on n'était pas totalement satisfait de ça et on s'est dit, il faut absolument qu'on revienne à notre vision, en tout cas de départ, qui est de dire, oui, il faut un conseil indépendant. Et de cette manière-là, on a fait un pivot en 2014 en décidant de ne pas y aller parce qu'il fallait de l'argent. Donc, on avait les artisans, on avait la plateforme, mais il fallait de l'argent. Et donc, on a décidé de partir avec une mutuelle qui est un tiers de confiance assez naturel et qui, du coup, nous a ouvert son portefeuille de 4 millions de clients pour démarrer. C'est là que naît EasyGlue, la solution que vous promouvez en ce moment. Qu'est-ce que c'est EasyGlue en quelques mots ? EasyGlue, en tout cas dans sa version actuelle, y en a une nouvelle qui sort d'ici quelques semaines, c'est la possibilité de complètement révolutionner la notion de ce qu'on va appeler de home management et de gestion. Alors, je ne sais pas si le home management, ça vous parle, mais si je vous la fais simple, aujourd'hui, quand vous rentrez dans votre maison, c'est un cycle, c'est une vie amoureuse d'environ 7 ans. Et sur ces 7 ans, vous allez rencontrer à peu près 25 fournisseurs de services, quels qu'ils soient, des agents immobiliers, des déménageurs, des banques, des assurances. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs, des artisans qui vont intervenir finalement dans votre habitat. Et quand on réfléchit deux secondes à ce que c'est que la gestion de sa maison aujourd'hui, nous on dit que c'est un peu le shoebox syndrome. C'est-à-dire que pour faire simple, c'est des papiers qu'on reçoit, qu'on met dans une boîte à chaussures ou dans un classeur quand on est mieux organisé. Mais fondamentalement, c'est quand même assez pénible, voire très très chiant pour le dire clairement. Et donc là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire en restituant finalement de l'information et en permettant aux particuliers d'avoir une meilleure connaissance de sa maison et du coup de pouvoir mieux gérer les choses, mieux gérer les relations avec ses fournisseurs. La grosse nouveauté par rapport à des solutions déjà existantes, parce que la boîte à chaussures, elle existe, la numériser, en fait, vous avez constaté que ça ne fonctionnait pas. Et la grosse nouveauté que vous apportez, et c'est là que le big data rentre en jeu, parce qu'en gros, personne ne remplissait ces données papier en ligne, c'est que du coup, en fait, vous vous êtes occupé, grâce au big data, de renseigner toutes les informations sur n'importe quelle une de votre maison ou appartement directement dans EasyGlue en rapatriant tout un tas de données. Exactement. En fait, la deuxième version de notre passeport, qui était une sorte de diagnostic conseil, on l'avait réussi à réduire à peu près les choses à 60 questions. 60 questions en termes d'expérience client, c'était juste la cata. On a fait augmenter le nombre de ventes d'antidépresseurs chez nos clients. En clair, 60 questions, au bout de 30, ils arrêtent. En fait, le particulier, on est tous très feignants et qu'on ne voit pas l'intérêt forcément d'aller remplir ce carnet de santé ou ce passeport de sa maison. Et donc là, on s'est dit, il faut changer la manière de faire. Et là, on est passé d'une entreprise digitale à une entreprise big data, en partant du principe que finalement, il y avait énormément d'informations disponibles sur l'habitat, entre l'hygiène, donc des données cadastrales, vectorielles, des données, de matériaux, de systèmes de rénovation. D'électricité. Avec Enedis notamment. Et donc, il y a énormément de choses. Et donc là, l'idée, ça a été de se dire, allons les scanner et ramenons-les pour les rendre et les restituer, les rendre visibles pour l'habitant et le particulier, de manière à ce que son carnet de santé soit quasiment pré-rempli. Et au pire, il n'aura plus qu'à le modifier si on n'est pas hyper juste dans le rapatriement des informations, puisque le big data a aussi des marges d'erreur, évidemment.
On parle de big data pour notre auditoire, pour se représenter. Vous gérez combien de data chez EasyGlue du coup ? Aujourd'hui, c'est plus de 100 milliards de data qu'on a rapatrié. Voilà, c'est plus de 35 millions de logements qui sont modélisés dans le dispositif. Donc avec, en clair, vous tapez votre adresse et avec cette adresse-là, on va chercher à peu près 700 informations un peu partout sur nos sources pour vous les ramener dans votre passeport. Ok, alors du coup, si je suis un utilisateur, vous pouvez faire le test si vous voulez. On rentre son adresse, on se localise en fait. Ce qui va entraîner la création de son passeport. Ça va créer tout un tas de données que vous allez agréger, vous allez faire de la datavise. Mais après, à quoi ça va me servir ? Qu'est-ce que je vais en faire des informations ? Concrètement, c'est quoi les informations que vous allez calculer, générer ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Le grand enjeu, enfin, il est là. C'est clairement de se dire, OK, j'ai de la data, super, mais what's next ? Qu'est-ce que je fais avec ? Donc, c'est comment finalement on traduit cette information-là de manière utile à celui qui vit dans cet habitat, mais aussi à celui qui y travaille, puisque une base du modèle économique, c'est bien l'intermédiation nous qu'on va pouvoir faire entre celui qui vit dans la maison et celui qui va être fournisseur de services dans cette maison. Donc tout le débat, ça a été de se dire, je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, par exemple, on est capable de calculer, enfin en tout cas de vous représenter les bâtiments gênants autour d'un habitat. Bâtiments gênants d'un point de vue masque lointain, en tout cas solaire, et donc d'impact et de performance thermique sur votre logement. Ok, quand vous voyez ça, le particulier, ça lui parle pas, les masques lointains, les bâtiments gênants. Par contre, l'ingénieur thermicien ou le conseiller, ça va être hyper important pour calculer une performance thermique. Par contre, traduire cette même information-là pour le particulier, c'est lui parler d'ensoleillement, de qualité de son environnement. Et donc, tout le travail, c'est de prendre cette information-là brute, de l'agréger, de la raffiner, de l'organiser, de la restituer au client, de manière à ce qu'elle soit intelligible, que ça lui permette de prendre les bonnes décisions pour manager sa facture habitat, et pour le professionnel, de gagner du temps, c'est-à-dire que s'il a de l'info fiable, ça lui évitera de peut-être 2-3 déplacements pour essayer d'avoir un bout d'info sur cette adresse. Pierre, quand on a préparé cet entretien, il y avait tout un tas de data, c'est vraiment vertigineux que vous récupérez sur l'habitat. Tu peux nous donner quelques exemples supplémentaires en plus de l'ensoleillement ? Donc, vous allez avoir des informations effectivement sur votre propriété, donc les parcelles, voilà. Mais de là, on va pouvoir revectoriser plein de choses, donc avoir les murs, la composition des murs, l'orientation de la toiture, son inclinaison, le nombre d'étages, la surface. Sur la nouvelle version, on va aller aussi vers l'intérieur de la maison. Et puis après, il y a tout l'environnement, c'est-à-dire la partie scoring de l'ensoleillement, de l'accessibilité, de la performance énergétique. Mmh. Aujourd'hui, déjà dans le passeport, vous pouvez faire un premier diagnostic énergétique gratuit de votre maison qui n'a pas de vocation réglementaire comme le DPE, mais qui vous apportera déjà énormément d'éléments et qui permet de vulgariser et de savoir quoi faire chez soi pour faire les bons travaux et avoir la meilleure performance sur votre facture d'énergie. Donc toutes ces informations qui étaient juste à présent plutôt propriétés d'IGN, d'Enedis, ce genre de fournisseurs de données, vous les agrégez et en fait vous les rendez à l'utilisateur. Et c'est ça un peu le big data, c'est aussi de pouvoir rendre ces données à l'utilisateur. Vous parlez de home management, on a un petit peu parlé. C'est quoi votre vision par rapport à tout ça ? En fait, nous, l'ambition qu'on s'est fixée, c'est de permettre à l'habitant de travailler à armes égales avec ses fournisseurs. Il y a un exemple que j'aime bien pour ceux qui ont des enfants. Vos enfants, ils rentrent chez vous, vous êtes vous au boulot. EDF est au courant au moment où ils allument la lumière. Google est au courant au moment où ils vont sur l'iPad faire une requête dans Google. Veolia peut être au courant à partir du moment où ils ont tiré la chasse d'eau, etc. etc. Mais vous, en tant que parent, vous n'êtes pas informé. Donc l'idée, c'est bien effectivement de se dire finalement comment
toutes ces informations-là, je peux les restituer au client pour lui permettre de s'autodéterminer par rapport à un certain nombre de choses. Donc c'est rétablir des équilibres qui vont pour nous dans le sens de l'histoire, hein, c'est-à-dire la création de valeur, elle se fera dans l'équilibre entre les fournisseurs et les particuliers, et pas dans la domination, donc ce qu'on va appeler le CRM dans sa vision la plus réduite, c'est dire nous on promeut le sujet VRM, Vendor Relationship Management, donc c'est la possibilité pour le particulier d'avoir les mêmes informations que ce que EDF sait sur lui, et à partir de là, bah, on va pouvoir faire quelque chose d'intelligent et de créer de la valeur ensemble. Ça veut aussi dire que, par exemple, à partir du moment où l'utilisateur connaît parfaitement bien sa maison, ça veut dire qu'il va pouvoir retransmettre toutes ces informations techniques, dont parfois on n'avait absolument même pas connaissance, à tout un tas d'artisans pour gagner du temps, pour faire des travaux. Exactement. Artisans, déménageurs, il y a plein de choses en fait où on peut... Nous, ce qu'on veut, c'est apporter des gains opérationnels à tous ces fournisseurs de services pour, en clair, qu'ils gagnent du temps dans leur prospection, dans la préparation, dans la qualité de service et de chiffrage de leurs interventions. Et de l'autre côté, effectivement, un temps gagné infini dans la prise de décision pour le particulier. Et donc, à partir de là, je pense que les deux faces de cette marketplace peuvent fonctionner à travers un équilibre des choses. Du coup, deux concepts à retenir pour vous, que personnellement, je ne connaissais absolument pas. Le VRM, donc le Vendor Relationship Management, donc quelque chose qu'on va voir de plus en plus arriver. Et puis, tout ce qui est self-data, tu veux rajouter quelque chose sur le self-data, Pierre ? Le self-data, ça porte bien son nom, c'est la capacité à s'autodéterminer, c'est ce qu'on disait. Et que dans un monde où le GAFA, avec un M ou deux A, crée finalement une boucle de valeur autour du client, nous, on pense que c'est important de restituer l'information au client et de le faire de manière la plus claire et transparente, parce que le pari qu'on fait, c'est qu'un client qui est libre créera plus de valeur qu'un client captif. Mais ça va très loin, ça veut dire que même dans la construction de notre système d'information, on se dit que l'utilisateur d'Easyglue, demain, il veut se barrer avec son passeport et plus nous utiliser parce qu'il nous aime plus ou qu'il y a un désamour, il pourra le faire. Très bien. On va passer à la minute de l'expert. Qu'en pense l'expert sur toutes ces données qui sont récoltées ? Vous me racontiez que pendant 24 ans, en fait, vous avez passé votre vie professionnelle à récolter des datas pour le compte de l'État. Vous avez fait une formation CNIL et puis tout s'est inversé. Exactement. Je me suis attaché à récupérer, alors pas vos données, pas les données des Européens, mais à récupérer des données sur les théâtres extérieurs pour faire des recoupements dans des monstrueuses bases de données qui datent déjà depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, en fait, faire l'inverse, protéger vos données personnelles et mettre tout en œuvre pour guider chaque entreprise. En fait, c'est juste pour essayer d'être dans les clous par rapport aux données que vous avez besoin. Vous avez besoin de récolter des données. L'entreprise ici a besoin de récolter des données et vous les mettre à disposition. Et c'est de faire respecter ça et surtout de vous mettre en conformité pour et juste éviter les amendes, mais pour que vous puissiez utiliser ces données-là. Quel regard vous portez du coup sur une solution comme EasyGlue qui vient récupérer tout un tas de données plus ou moins personnelles sur son habitat, qui les agrège, quels sont les écueils, les choses auxquelles ils prêtent et ils doivent prêter attention ? Un gros temps d'avance sur le règlement européen, puisque ça va être une obligation de demander le consentement. Il faudra que ça soit explicite, que ça soit clairement identifié sur Internet quand une entreprise ou un site Internet récupérera vos données. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est de maîtriser en fait vos données. Et c'est vous qui déciderez si ces données-là, quelqu'un d'autre peut les utiliser ou pas. Pierre, vous redonnez au final les données aux particuliers. Pour respecter ces réglementations, on a discuté, vous faites très attention avec ces données que vous récupérez. De fait, effectivement, il y a les problématiques de sécurisation. Donc,
assez classique. Donc là, on a des très très bons techniciens chez nous qui bossent là-dessus avec des architectures microservices vraiment à la pointe et donc qui font que aujourd'hui on a une équipe technique qui est vraiment hors du commun. On a un autre travail qui se fait qui est plus notre contribution sur des réflexions avec la FING, avec le cabinet aussi d'Axel Lemaire, à se dire bah, finalement comment impulser un mouvement sur la portabilité des données, sur la manière de manager ça et les intégrer de manière un peu réglementaire, puisque effectivement, je pense qu'aujourd'hui, si les entreprises n'ont pas une approche un peu souverainiste des choses, c'est beaucoup de valeur qui part ailleurs qu'ici, et notamment dans la Silicon Valley. Je suis très admiratif de ce qui est fait là-bas, mais je pense que le big data, on doit s'en emparer, que les entreprises doivent s'en emparer pour transformer leur modèle et qu'on doit le faire dans une logique de coopération. Je préfère bosser avec une mutuelle pour adresser 4 millions de clients et créer de la valeur ensemble plutôt que de donner 1,5 million d'euros en AdWords à Google qui va utiliser toutes ces datas sur les clients et mon business et qui ne va pas forcément générer en local. D'accord. Voilà. Pour le mot de la fin, quel conseil vous donneriez du coup aux personnes là qui nous écoutent sur justement sur le big data en général? Quelles sont les opportunités? Ce n'est pas sale. C'était flippant la mise en scène au départ. En tout cas, je pense que c'est une source de création de valeur incroyable pour simplifier l'expérience de vos clients. L'utiliser à bon escient et surtout améliorer finalement votre proposition de valeur et qu'il y a plein de choses à faire même dans la coopération entre entreprises et qu'il faut absolument réussir à décloisonner un peu les choses, c'est-à-dire que tout de suite quand on parle données clients, c'est mon client et on a très rapidement en fait des postures de silo et de protection. Alors que, je prends un exemple très concret, on a, avec un certain nombre de grands partenaires, ils avaient cette problématique-là de la donnée commercialement sensible. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, nous, la data que vous avez, elle ne m'intéresse pas en soi et je n'ai pas envie de la stocker. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle vienne alimenter nos moteurs de recommandation pour délivrer une expérience au client. Et c'est pas du tout. Donc la data, elle reste chez toi. Je te donne mon algorithme pour que je puisse mouliner les choses et avoir une restitution auprès de mon client qui soit celle qui m'intéresse. Et enfin, surtout celle qui intéresse le client. Et c'est plein de modes, de nouveaux modes de collaboration et de coopération qu'il faut inventer autour de ça. Je pense qu'on est vraiment qu'au début de l'histoire. J'espère que la réglementation va pas venir tout fracasser en plein vol. Pour figer un système, alors que les autres, ils ont bien compris depuis quelques années comment ça se passait. Merci à vous deux, merci Pierre, merci Fabrice. Il est venu le temps des questions dans la salle. Avez-vous des questions? Je viens vous tendre le micro. Oui. Bonjour, désolé pour la voix. J'ai une question pour Pierre, en fait. Jusqu'à la fin de ton intervention, j'avais pas compris la collecte des données, comment ça se passait. Et du coup, là, de ce que je comprends, c'est tu vas récupérer les données là où elles sont, avec des partenariats. Mais en même temps, si tu vas voir Enedis ou Veolia, tu vas pas rencontrer de résistance au fait qu'ils vont te laisser entrer dans leur base de données pour récupérer ces données. Enfin, ça se passe comment? T'as pas de problématique à la collecte des données? La collecte des données, en fait, elle est très, très hétérogène. C'est une des complexités du big data. C'est-à-dire que déjà, le type de données, entre des données numériques, vectorielles, des images, des photos, enfin, il y a énormément de choses hétérogènes qu'il faut déjà réussir à collecter. Ça, on a plein de sources. Des sources qu'on appelle open data, évidemment. Des sources qu'on appelle closed data, qui sont plus liées à des partenariats. Je pense à l'IGN, avec le cadastre, hein, qui était un des premiers fournisseurs de Google et qui ne travaillait pas avec les startups françaises. On a été une des premières à initier ce type de choses, qui est quand même le comble. Donc, il y a beaucoup de valeurs de data et d'état qui sont disponibles. Et puis, il y a les data que nous, on a nous-mêmes modélisées ou créées.
puisque ça fait 10 ans qu'on existe et qu'il y avait à peu près 70 000 chantiers de rénovation dans nos systèmes qui nous ont permis de mieux connaître et de modéliser des choses autour de la maison. Donc c'est tout ça qu'il faut réussir à faire, c'est créer, déjà identifier les sources de data intéressantes pour votre client, ça c'est le premier point. Deux, nouer des partenariats, et c'est quasiment des discussions spécifiques à chaque fois, parce qu'il y a des impacts en termes juridiques, de protection, de charte de fonctionnement autour de cet actif, puisque ça reste un actif. Et puis trois, c'est derrière la performance technique pour, dans ce data lake, réussir à regrouper toutes ces informations-là, les raffiner, les organiser, les restituer auprès du client. Qu'est-ce que tu appelles un data lake ? C'est le terme technique pour le grand réceptacle dans lequel toutes les datas sont mises et à partir de là, autour desquelles on va générer de la connaissance. Une autre question peut-être ? Oui. Oula. Ils sont tous levés en même temps. Bonjour. C'est quoi le business model de DP ? Est-ce que vous achetez les données ? Donc là, c'est plutôt de la dépense, vous investissez dans la technologie et à qui vous vendez. J'imagine que ça a peut-être changé, mais voilà. Quel est le business model d'hier, d'aujourd'hui, peut-être celui de demain, comment ça va évoluer ? Le modèle économique, il est dans l'intermédiation, c'est-à-dire que grâce à la donnée, finalement, on qualifie mieux la demande de l'habitant. Et typiquement, on va le mettre en relation à partir du moment où il a une problématique travaux, par exemple, avec un artisan. Qui va venir réaliser les travaux et nous on va prendre une commission sur devis signés. Donc au success fee, c'est-à-dire si ça se fait, on est payé, ça se fait pas, on n'est pas payé. C'est un forfait. C'est pas un pourcentage. Une autre question ? Une question là-bas ? Juste une mini-question. EasyGlue, c'est le portail. Il est en ligne actuellement ? EasyGlue. Parce que j'ai essayé, j'arrive pas à l'avoir. Putain, s'il est bugué, je suis mal. Mais là, je crois que votre c'est pas site inaccessible. Ouais, on va résoudre ça tout de suite. D'accord, merci. Sinon, c'est pas drôle. Bonjour. Encore une question pour Pierre, du coup. Quelle technologie vous utilisez justement pour exploiter ces données en Big Data ? Watch. Technologie vraiment dans le sens technique du terme, en fait. Oui, j'entends bien. Ouais. Alors, il y a plein de choses. Je ne suis pas le technicien des trois. Par contre, avec plaisir, je vous mets en relation avec notre data scientist. Après, si je vous parle de MongoDB, de bases de données, etc., on peut le faire, mais je ne pense pas que ce soit forcément le moment. Mais c'est des vrais technos. Bien robuste et je vous mets en relation avec le technicien de la bande quand vous voulez. Avec plaisir, merci. Bonjour, est-ce que demain on peut imaginer qu'il y aura une sorte d'Argus des maisons en fonction des performances et des passeports ? Oui. Oui, de fait, puisque je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la valeur immobilière. Effectivement, chose qu'on commence à intégrer dans notre passeport, la valeur verte, c'est aussi un truc important, se dire comment je maximise. Finalement, c'est un actif pour l'habitant, cette maison. Donc comment je l'optimise, comment je la maximise dans un contexte économique et une réalité de marché. Donc oui, là, un Argus de l'habitat est quelque chose de tout à fait envisageable. Nous y pensons, sérieusement. Pas qu'en se rasant. Du coup, EasyGlue, vous en servez essentiellement pour des chantiers, mais dans la vie au quotidien du logement. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir des usages dans la meilleure connaissance de son logement pour faire des économies, des choses comme ça, sans envisager de travaux, en fait ? Est-ce qu'on peut envisager EasyGlue dans cet usage ? Bien sûr, en fait, a priori, c'est pas une connerie, il est vraiment bugué. Putain, c'est génial. Je sais pas si je vous mettrai en relation tout de suite avec les techniciens de la bande. Le truc, c'est qu'effectivement, le passeport permet de faire connaissance avec son habitat. Et donc, on peut faire quelque chose ou pas, en fait. Après, il y a plein d'usages qu'on est en train d'inventer, de découvrir aussi avec les différents fournisseurs de services. Je vais vous prendre des exemples concrets. Un déménageur
est intéressé pour prémodéliser les volumes de la maison, pour pouvoir faire un chiffrage à distance ou en tout cas calibrer quelque chose de précis pour son client. Autre exemple, un livreur de fuel est intéressé parce que j'envoie un petit ou un gros camion, ou est-ce que je peux travailler à une maille quartier pour optimiser une livraison. Je prends d'autres exemples, les agents immobiliers évidemment, qui sont dans un moment de réassurance vis-à-vis de leurs clients, leur apporter les points d'accès, les scorings liés à la sécurité, à l'ensoleillement, à la disponibilité du logement. Ce sont des choses... je pense qu'on est qu'au début de l'histoire. Tout dépend en fait de notre créativité. J'en ai un autre qui me revient en tête, les assureurs habitation qui nous disent aujourd'hui, moi j'aimerais pouvoir créer une police d'assurance dynamique en fonction de la connaissance du logement et de la capacité du client à la manager, et donc faire des offres un peu affinitaires et ciblées en ce sens. Donc oui, je pense qu'il y a plein de trucs à faire. On est qu'au début. La question était, est-ce qu'on peut récolter de la donnée au sein du logement ? Au sein du logement, on ne peut le faire qu'avec la complicité de l'habitant. Donc on lui donne des outils pour effectivement... Là, pour le coup, on peut prémodéliser des choses, deviner par rapport à une surface le nombre de pièces, et puis par rapport au template d'habitat qu'on connaît, savoir quel système ou quel type de matériaux ont été mis. Mais voilà, le prédictif va être utile. Mais il y a besoin véritablement d'un accompagnement soit de l'habitant, soit d'un professionnel qui est aussi sur place, puisqu'il faudra quand même se déplacer à un moment donné. Ça veut dire que vous allez connecter plus tard EasyGlue avec des objets connectés comme la Nest, par exemple, ou... Alors, la Nest, pas forcément... Je connais mon goût pour le GAFA, mais c'est hyper intéressant. On l'a déjà fait. On a déjà fait des tests avec une start-up nantaise sur des capteurs météo. Évidemment que la plateforme, elle est prête à recevoir des connexions. Après, l'IoT, l'objet connecté, c'est vachement bien. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire en amont avant de dépenser 1000 ou 1200 euros dans une installation domotique. On peut faire plein de choses sans ça. Ce sera qu'un plus. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Est-ce qu'on peut imaginer, au niveau d'un habitat collectif, de coupler justement tous ces passeports, puisque finalement la vie d'un immeuble, c'est pas uniquement une maison ou un logement, et les données, elles sont assez transverses ? Complètement. Ça fait partie de notre roadmap, je sais pas comment dire. Là, cette fois-ci, je peux pas t'aider. Merde. Notre feuille de route. Merci, voilà. Monsieur. Putain, c'est très, très bien. Oui, le collectif impose d'autres complexités par rapport au système décisionnel. Donc, on s'est pas ciblé en priorité là-dessus. Mais oui, évidemment que c'est la logique des choses. Si on peut aller jusqu'à l'appartement individuel et la gestion d'un ensemble d'appartements, c'est hyper intéressant. Merci Pierre, merci Fabrice, merci à vous. Je vais vous mettre à contribution puisqu'on vous demande une petite évaluation de cet atelier. Tout simplement, vous allez sur evals.fr, vous rentrez le code DC16 et vous allez pouvoir noter cet atelier. Je vous en remercie. Très bonne continuation pour les autres ateliers. Bonne fin de journée.